Salut les amis, on se retrouve sur Season After Fall, le jeu que j'ai commencé, le jeu que j'ai commencé à faire en détente, où on avait récupéré dans le dernier épisode le fragment de l'hiver. Et là, on était parti pour aller chercher le fragment de l'automne. Il me semble. Je crois. Je crois que c'est ça. On verra. Je tourne cet épisode à la suite du dernier épisode. Tu sais, petite graine, j'ai pas l'air comme ça, mais je t'envie. J'aimerais bien, moi aussi, pouvoir courir, sentir le vent. La glace sous mes pattes. Mais je peux pas. Pas avant que nous ayons rassemblé tous les fragments. Il nous les faut si on veut pouvoir accomplir le rituel. C'est très peu fort, mais j'aime bien là, quand on saute et qu'on atterrit sur la glace. Ça fait un petit bruit. Ah, peut-être que sur cette arbre, on aura le symbole du prochain fragment qu'on va avoir. Le rituel des saisons, c'est comme ça que les gardiens l'appellent. Je sais pas bien en quoi ça consiste, mais j'ai plusieurs fois entendu les gardiens en parler. Le rituel des saisons peut changer le cours d'une vie. Si c'est vrai, ça signifie qu'il pourrait changer la mienne. Et la tienne aussi. Je pourrais enfin quitter le sanctuaire et toi, tu pourrais... Je sais pas. Tu pourrais réaliser tous tes rêves. Tu dois bien en avoir des rêves. Attention, petite graine. Tu viens d'entrer sur le territoire du gardien de l'automne. Il peut être parfois imprévisible. Prends garde à ce qu'il vous abîme pas, toi et ton renard. Okay.
Si tu entends le vent siffler, c'est que le gardien ne doit plus être très loin. Fais bien attention. C'est bon, le gardien de l'automne a fini par se rendormir. Tu risques plus rien. Suis le fragment qu'il t'a donné. Il sait forcément comment rejoindre le lac. Et donc, oui, on a eu le fragment de l'automne. C'est bien ce que je pensais.
Oh fuck. J'ai pas raté mon saut quand même. Je le rate doublement. Maman, ellipse. Et après 2-3 tentatives, j'ai vu qu'en fait, la saison qu'on avait en double, en fait, qu'on nous avait donnée, qu'on avait utilisable, interchangeable entre l'automne et l'hiver, en fait, c'était l'hiver. Et en hiver, ces machines-là, ces plantes-là, c'est un petit peu des canons à neige. Et donc, je me suis dit que je pourrais m'en servir pour balancer de la neige, monter là-dessus et aller ici. Et voilà. C'était pas si difficile en vrai. Fallait juste réfléchir un petit peu. Ce que je n'ai pas fait. Mais en tout cas, là, je suis assez émerveillé par ce jeu en fait. Je le trouve vraiment beau en fait. Je me disais, est-ce que le renard va rester les pattes gelées dans l'eau en fait, et sans pouvoir bouger, ou est-ce qu'il va être mis par la magie du scénar juste sur l'eau? Et en fait, il est mis sur l'eau. C'est quand même bien pensé.
Mine de rien, pour une si petite graine, t'es drôlement futé, hein. Et tu vas voir, une fois que t'auras absorbé ce deuxième fragment, tu le seras bien plus encore. L'automne. Le sanctuaire. Bien sûr, les racines. Ces odeurs. C'est vraiment ma saison préférée. On pourrait profiter de ce moment si seulement ton renard se tenait tranquille. Il doit pas beaucoup apprécier qu'on se serve de lui, mais on n'a pas d'autre animal sous la main. On est à mi-chemin, donc il va falloir qu'il nous supporte encore un petit moment. Essaye peut-être de le rassurer. On va leur apprendre sous notre emprise et il va arrêter de nous embêter. Toi au moins il t'apprécie, c'est déjà ça. Je te l'avais promis, petite graine. Maintenant que tu as absorbé deux saisons, tu peux les invoquer librement. Chaque saison est unique et transforme les éléments qui t'entourent. N'hésite pas à utiliser le pouvoir des saisons où tu veux et autant de fois que tu veux. Alors, petite graine, quelle région vas-tu explorer maintenant? Tu as l'embarras du choix. Mais permets-moi quand même une suggestion. Tu pourrais servir du pouvoir des saisons pour accéder à l'entrée de cette grotte. Mais je te force pas, fais ce que tu veux. Ah oui, j'en ai que deux là. Voilà. Mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Oui, j'ai choisi l'automne, c'est bon.
Bien joué, petite graine. Tu as parfaitement compris comment utiliser le pouvoir des saisons. Ça tombe bien. Le troisième gardien se trouve après cette grotte. Allez, petite graine, vas-y, ne perds pas de temps. Thank you.
Le fossé qui se trouve en contrebas est beaucoup plus large qu'il n'y paraît. Je ne suis pas sûre que ton renard soit capable de sauter suffisamment loin pour le traverser. T'es sûr que tu vas dans la bonne direction? J'aime bien. Quand tu vas pas dans la bonne direction, t'as la petite voix là, la petite voix de la. Ben, en quelque sorte, c'est la personne qu'on peut appeler la gardienne. Qui nous dit si on n'est pas dans la bonne voie. La dernière fois c'était mais non, mais c'est pas par là, c'est par en bas, c'est par en bas à la cime, non, la cime c'est en haut, au pied des pins, qu'il fallait passer par le pied des pins. Et là elle nous dit t'es sûr que tu vas dans la bonne direction? Ça nous dit pas forcément par où il faut aller, mais ça nous donne une indication. Par exemple, là, si j'aurais été de ce côté-là, elle aurait pu me le dire aussi. Mais c'est pas mal ça. Le petit raccourci là. Tu ne te laisses pas décourager facilement dans ce que je vois. Bah non, t'as cru quoi? Quand on peut pas résoudre un problème à la force de ses pattes, il suffit de le faire avec sa tête. Bah oui. Faut réfléchir un petit peu et ça passe. Ça signifie que tu n'es plus loin de la sortie. Si toutefois elles acceptent de te laisser passer. Oh, mais elles vont accepter de me laisser passer. Je passe par moi pour trouver la dernière luciole, c'est ça?
Ah oui, non, merde, c'est de l'autre côté. J'ai ouvert ce passage-là. Et c'est l'autre côté que je voulais ouvrir. Tu viens par là. Ah, et bien voilà. Bon, on t'attendra ici, toi. Oh, ça sent la fin. Ça sent qu'on arrive au troisième gardien. Hein, deux gardiens dans la même vidéo, hein, quand même. À l'époque, cette rivière était remplie de saumons. Aujourd'hui, ils se font bien rares, et je crois savoir qui en est le responsable. Non, on peut pas le vider. Bon, on continue notre route. Et donc, c'est quelle saison qu'il nous donne? Quelle saison a-t-on obtenue? Le printemps. Donc, c'était l'été qu'on avait au tout début, il me semble. Alors. Hop là.
le monte un tout petit peu. Et je repasse directement en hiver. Comme ça, j'ai un grand jet d'eau. Bon, je vais retourner jusqu'au sanctuaire. Et après, on s'arrêtera là. On s'arrêtera là pour cet épisode. Ah, parce que oui, non, mais moi en fait je voulais juste m'amuser avec ça. Non, mais d'accord, d'accord. Hein. Le petit symbole. Ok, je me suis fait avoir. Bon. Et oui, j'avais un chemin tranquille en haut, sauf qu'en fait, je me suis gouré. Je suis tombé, en fait. Yep, on remonte. On remonte. C'est presque trop facile. Le gardien du printemps n'a pas dû faire beaucoup de résistance. Pourtant, tu l'aurais vu autrefois. Toujours prêt à jouer, à bondir entre les cascades. On s'entendait bien tous les deux. Aujourd'hui, il est tout ramolli.
comme les autres gardiens. C'est triste, mais c'est comme ça. Aussi puissants qu'ils soient, les gardiens ont aussi leurs faiblesses. Voilà. Non, j'avais pas besoin des jets d'eau là. Je vais peut-être avoir un petit problème de passage ici, hein. Voilà. Je me le disais bien. Les cascades remontent. Bien. On gèle tout. On la fait descendre. On la rangèle. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On n'aura pas été jusqu'au sanctuaire. Mais sinon, ça va vous faire une durée d'épisode bien trop longue. Donc, du coup, on va s'arrêter ici. Si l'épisode vous a plu, vous pourrez mettre un petit j'aime. Le partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et si vous le voulez, nous suivre sur Twitter et Facebook. Plutôt Twitter vu qu'on est quand même plus là-bas. Mais voilà. Vous faites comme vous voulez. Et donc, des bisous et on se retrouve dans le prochain épisode.